C'est donc le premier match de la saison pour cette équipe. On se souvient qu'elle s'était maintenue la saison passée. Hein. Oui, on va voir si les objectifs sont différents cette année et surtout si elle a les moyens de faire mieux. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif un bras pour l'attaquant de point. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Et attention à Cristiano Ronaldo, le gardien a raison de s'en méfier, même d'aussi loin. Ah, c'était extrêmement risqué de concéder un coup franc aussi bien placé. Ils l'ont payé. Ah, le ballon qui rentre. Pourtant, le gardien l'avait touché. Ah, dommage, il a réagi avec un dixième de seconde trop tard. La Juventus mène maintenant dans ce match. Marco Asensio. Benzema. Modric. Karim Benzema. Asensio. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Leonardo Bonucci, Matuidi, Douglas Costa, Joao Cancelo. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Joao Cancelo, Pjanic, Blaise Matuidi, Alexandro. Il faut qu'il centre là. Le ballon est sorti, corner pour la Juve. Précision, Mandzukic. Et on crée le danger sur ce corner. Ah, trop de précipitation. L'interception de Carvajal. Toni Kroos. Joao Cancelo. La Juventus qui a su revenir au plus haut niveau en Italie et sur la scène européenne. Après Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Le Real qui concède un corner. Dybala qui s'est appliqué vers le point de pénalty. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Les joueurs sont bien revenus. Hein. Le contre en reste là. La Juve qui reste un club extrêmement populaire. Plus dans toute l'Italie, d'ailleurs, que dans la ville de Turin. Oui, le club de Turin. Cristiano Ronaldo, la bonne passe en profondeur. Bien vu. Mandzukic, ballon bien capté par Courtois. Toni Kroos. Allez, dans le couloir. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Mandzukic. Ouais, Pjanic qui la donne en profondeur. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Kroos. Il n'y a personne pour venir contrer Carvajal. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Joao Cancelo. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Pjanic. Ah oui, l'arrêt réflexe. L'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ouais, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Marcelo. Non, elle est interceptée, cette passe. Joao Cancelo. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Marco Asensio. Marcelo. Il cherche Gareth Bale sur ce centre. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Cristiano Ronaldo. Ouais, il repousse, ça joue. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa, attention.
En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Non, c'est contré. Ce sera finalement une touche, hein, tout près vraiment du poteau de corner. Alexandro. Blaise Matuidi. Leonardo Bonucci. Douglas Costa. Matuidi. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Sans danger pour l'adversaire. Dybala. Kroos. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Il a préféré dégager ce ballon. Est-ce qu'il va centrer? C'est dans le paquet. Le dégagement pour éloigner le danger. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. Ouais, de la tête, ce sera une touche. Gareth Bale. Isco. Karim Benzema. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Il va pouvoir adresser un centre. Et oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Le joueur du Real qui vient tromper le gardien. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Allez, tout est à refaire. Un but partout. Joe Cancelo. Pjanic. Isco. Benzema. Toni Kroos. On s'approche du but. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Encore un bon ballon. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Cristiano Ronaldo. Mandzukic. Ronaldo, c'est Varane qui récupère. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Quel est votre sentiment sur la première? Les joueurs du Real Madrid qui vont jouer le premier ballon de cette seconde période. Isco. Isco, c'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne, presque à l'ancienne. Il est polyvalent, il a beaucoup d'abattage sur le terrain, un petit peu en retrait de la ligne d'attaque. Mais bon, c'est un joueur dangereux, qui mériterait d'être plus utilisé. Kroos. Il gagne son duel. Paulo Dybala. Ronaldo. Sami Khedira. Paulo Dybala. Mandzukic. C'est Kroos qui se trouve là pour récupérer ce ballon. Mandzukic. Ouais, c'est super. Mandzukic, la frappe. C'était une excellente occasion de passer devant au tableau d'affichage, mais elle est ratée. C'est quand même étonnant de voir parfois à quoi se joue un match. Hein. Cristiano Ronaldo. Alexandro. Cristiano Ronaldo. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Isco. Benzema. Ah, il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Attention, parce que Gareth Bale a du soutien. Cristiano. Sami Khedira.
Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Gareth Bale sur le côté, personne devant lui. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Attention à cette action. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Paul Dybala. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Un danger qui s'éloigne, c'était pour... Tant bien donné. L'entraîneur qui fait signe à l'arbitre qu'il veut procéder à un double changement. Dybala qui s'est appliqué. Chiellini. C'est sans problème pour le gardien. Real Madrid qui obtient un coup franc. Benzema. La passe est interceptée. Ah, la bonne qualité de ses passes. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Alexandro. Allez, faut centrer vite. Il cherchait Mandzukic sur ce centre. Oh, Raphaël Varane s'est dégagé. Modric. Et bien l'intervention, changement de possession. Bale. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et le but qui permet à l'équipe de prendre l'avantage contre le cours du jeu. On va voir comment ça va réagir en face parce que c'est quand même vraiment pas mérité là. Et bien voilà, un but marqué totalement contre le cours du jeu. Hein. Oui, ils sont largement dominés en ce match, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Et ils n'ont jamais baissé les bras aussi. Hein. C'est la Juventus qui est donc menée au score. Paolo Dybala, Sami Khedira, Mandzukic, oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Carvajal. David Ceballos, Sergio Ramos. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. L'arbitre laisse l'avantage pour la Juve. Ouais, Cristiano Ronaldo qui va pouvoir y aller car c'est dégagé. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Sami Khedira. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Mandzukic. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Une action qui ne donne rien. Carvajal. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Modric. Ouais, bien joué le défenseur. Allez, touche pour le Real Madrid. Les minutes qui défendent. Trop vite pour les joueurs de la Juve. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Allez, dans la boîte, il y a du monde.
Matuidi. Changement de possession. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Ah, c'était une vraie occasion nette hein, pour tuer le match. Mais on va rester sur un petit but d'écart grâce à cet arrêt. Ouais, ouais, super barré qui permet à cette rencontre de garder tout son intérêt. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Les supporters qui donnent de la voix. C'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. Bale. Gareth Bale, qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, oui, je l'ai vu jouer latéral gauche, même à Tottenham. Et puis, bah, il y a des joueurs qui reculent. Lui, il avance. Et aujourd'hui, c'est un vrai attaquant. Et en plus, au Real Madrid. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Mandzukic. Douglas Costa. Dernière chance pour égaliser, ils n'ont plus le choix. Cristiano Ronaldo hors jeu sur cette action. Interception. Allez, c'est terminé à l'instant. Victoire du Real Madrid. Une saison qui ne pouvait pas mieux commencer avec cette victoire. Ils sont sur une bonne dynamique. À eux de confirmer ce résultat dès la prochaine journée. Pierre, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de la prestation de Modric. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance. Quant à Cristiano Ronaldo, il a marqué, certes, mais il a aussi perdu. C'est quand même le plus important. Coup d'envoi donné à l'instant par la Juventus. Attention à Cristiano Ronaldo, le gardien a raison de s'en méfier, même d'aussi loin. Ah, c'était extrêmement risqué de concéder un coup franc aussi bien placé. Ils l'ont payé. Ah, la précision de Mandzukic. Ils ont créé le danger sur ce corner. Ah, mais trop de précipitation. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Oh, la parade du gardien à bout portant. Ah, il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Il va le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Il va pouvoir adresser un centre. Et le but. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Ouais, elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su. On s'approche du but. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Mandzukic. Ouais, c'est superbe. Mandzukic, la frappe. Ah, c'était une excellente occasion de passer devant au tableau d'affichage, mais elle est ratée. C'est quand même étonnant de voir parfois à quoi se joue un match. Hein. Bale. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et le but qui permet à l'équipe de prendre l'avantage contre le cours du jeu. On va voir comment ça va réagir en face parce que c'est...